un rôle sur mesure. Dès le 12 janvier prochain, Marine Delterme sera à l'affiche de la série Manipulation. Dans cette série, la comédienne incarne le rôle de Maude, une businesswoman mère célibataire dont la vie bascule le jour où elle rencontre Mathias. Si son compagnon semble parfait, il cache en réalité une toute autre facette, celle d'un pervers narcissique. Cette histoire, Marine Delterme l'a vécue, comme elle le confie dans les colonnes de Téléstar, en kiosque ce lundi 3 janvier. Il y a de longues années, la comédienne s'est en effet retrouvée confrontée à ce genre d'homme. Après une période d'éblouissement, dans laquelle ses manipulateurs se placent face à vous en sauveur, vient le temps où ils se posent en victime, pleurant sur leur sort tout en entamant la phase de destruction, a-t-elle décrit auprès de nos confrères. Leur truc, si est-il une gifle, une caresse. Si est-il d'autant plus difficile à déceler que ce sont des coups invisibles. Dès qu'ils sentent une brèche, ils s'engouffrent, a décrit Marine Delterme, qui a expliqué à Téléstar connaître très bien l'histoire du personnage qu'elle incarne pour l'avoir vécu. Auprès de nos confrères, elle a évoqué une relation avec un pervers narcissique qu'elle a eu pendant très longtemps, trop longtemps. Quand je n'ai parlé avec le réalisateur, Marwan Abdallah, note de la rédaction, je lui ai dit que Manipulation me rappelait pas mal de choses. Et que je savais comment on pouvait se laisser détruire et enfermer par quelqu'un, a ajouté Marine Delterme. Sortie de cette relation toxique, l'actrice file désormais le parfait amour avec Florian Zeller. En couple depuis 15 ans, ils se sont mariés le 5 juin 2010. Marine Delterme, Florian m'a transformé un an et demi avant, Florian Zeller et Marine Delterme sont devenus parents d'un petit garçon, Roman. Dans les colonnes de Paris Match, la meilleure amie de Carla Bruni se souvenait de leur rencontre coup de foudre. Je faisais une exposition de sculptures sur le visage. Je me souviens lui avoir dit, si vous aimez l'expo, rappelez-moi. Sinon, ce n'est pas la peine. Par chance, il a aimé et nous ne nous sommes plus quittés, se réjouissait-elle. Avant lui, la vie m'avait pas mal bousculé et j'étais dans le chaos. Florian m'a transformé et stabilisé. Il s'est donné un sens aux choses. Et si l'amour est toujours au rendez-vous, le couple traverse parfois des tempêtes. Même si estime mon mari et qu'il est merveilleux, on se chiffonne souvent quand on travaille ensemble, ajoutait-elle. Il a un talent immense, bien au-dessus du mien, dans sa vision du théâtre. Loading DJ. We'll be right back.